Coucou à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Don't Starve Shipwrecked. La dernière fois, on s'est fait attaquer pour la deuxième fois, troisième fois, je sais plus, par les chiens. Ça a failli passer, mais ça n'y est pas passé. Alors tout va bien, j'ai récupéré un peu de vie, notamment grâce aux pierogies. Parce que les pierogies, ça fait pas mal de vie, ça rajoute pas mal de vie. Donc ça c'est toujours bien. Faut que je refasse un petit peu d'inventaire là. Voilà. On va choper des légumes si c'est possible. J'ai donc un deuxième cochon. Et on est quand même au jour 24. On est au jour 24. Qu'est-ce que ça fait déjà l'amulette? Ça permet de se... Je ne sais plus. Doit permettre de res, je pense. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller me choper des abeilles. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais me préparer ça. En attendant, c'est bientôt la nuit, donc on est encore dans la saison des pluies. Hein. Là, par contre, c'est bientôt la nuit. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ici? Pas grand-chose. On va cuisiner cette merde là, voilà. Miam miam miam. On n'en a pas besoin. Ah ouais non, il y en a un qui est mort de cochon. C'était trop onge, c'était trop onge. Faut que j'essaye de récupérer de la santé mentale. On a un peu perdu beaucoup, mais bon, c'est parce que c'est la journée. C'est à peu près de toute façon à cette saison que ça devient... Que ça devient compliqué en termes de santé mentale, tout simplement parce que quand on est mouillé, on en perd. Et quand on en perd, on n'est pas content. Donc, faisons un filet à papillon. Il me faut une corde. Pour faire de la corde, il me faut de la corde. Bien vu. Hop! Voilà. Donc ça va être cool. Voilà. Et on va essayer de pas laisser se mourir le feu quand même. On n'est pas là pour ça. Il va aussi bientôt falloir que je me récupère du sable, non? Oui. La réponse est oui. Merde. Bon. Ok, ben on va... Est-ce que j'ai pas des trucs à récupérer sur mon bateau ici? Si, hein. Je m'en rappelle plus trop. En tout cas, là, j'ai des choses à récupérer. Là, je pourrais amener ça ici. Ouais, je vais aller... Oh oui, c'est vrai qu'il y a une maison ici aussi. Hein. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout de se la ramener. Quoique je ne sais pas si j'aurai assez. Bon, on va voir. On verra demain. On verra demain. Allez, hop. On peut y aller pendant la nuit. C'est toujours une bonne idée, normalement. Tout récupérer ici, hein, oui. Le bordel avec le vent et tout là, c'était n'importe quoi. Hop. Ça me pensait qu'il faudrait que je fasse donc une autre bouteille, enfin une autre comment ça s'appelle, un truc tour à lumière. Non, c'est là-dedans en fait. Voilà, parce que j'en ai plus. J'aimerais même déséquiper ma... Voilà. Hop! Nickel! On va pouvoir se rapprocher. De toute façon, c'est bientôt le jour. Donc, tout va bien. Profitez pour récupérer un petit peu d'algues. Hein. Ça fait pas de mal. J'en ai besoin de toute façon pour cuisiner. Hop! Voilà. Moi, je me fasse un filet, un de ces quatre. Ah, voilà. La mer est agitée, vu avec les... Avec les tempêtes et tout ça, la mer commence à être agitée assez vite aussi. Ah oui, l'eau monte. Fâcheux. Fâcheux, fâcheux. Il faut que je me fasse un château de sable. Il y a un truc, c'est dans structure, je crois. Pour récupérer de la sanity, on peut faire des châteaux de sable. Pour faire des châteaux de sable, il faut des coquillages, du sable. Logique. Et des feuilles de palmitos. Donc on va prendre des feuilles de... Je vais choper des feuilles de palmitos. Coquillage au cas où.
On va prendre un peu tout ça. Et après, on va essayer de se choper. De se choper des. Une petite ruche. Une ruchounette. Une petite ruchounette. Voilà. Récolte ceux qui n'ont pas de noix de coco, comme ça on risque pas de mourir. Tout simplement. Hop, les pierogies. Boum! C'est pas mal les pierogies quand même. Hein. J'aimerais bien connaître la recette. Au final. Oh, elle est là! Ouh, toi tu es à moi! Tu es à moi! Viens par là! Yes! Ils essayent de m'attraper! On va y aller tout peinard. Parce que voilà. Quoique non, ça va prendre des heures sinon. Regardez, il y a un gros porc, attaquez-le! Aïe! Voilà. Non mais, ah non. Ah non, 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 non. Toi, tu restes là. Voilà. Non, mais. T'as cru quoi, là? Hop là. Ouais, non, on va le poser là. Tiens. On va le filer à bouffer. Tiens, mange. Mange. Ouais. Maintenant, tu es à moi maintenant. Tac. Ok, nickel. Ah! Oh, je l'avais pas vu, celle-là. Elle était cachée! Je vais prendre celle-là maintenant. Voilà. Alors, celle-là, c'est encore plus importante que les rouges. Malheureusement. On va poser ça. Hop. Une deuxième. J'avais pas pensé du tout à la place que ça allait prendre. Allez, hop. Ça a piqué quelques fois, hein. On n'est pas là pour. Voilà. C'est bon? On a tout ce qu'il faut. Non, on n'a pas tout ce qu'il faut. Il y en a encore une. Tu es à moi. Je sais pas si j'en aurai assez malheureusement. Bon, c'est pas grave, au pire, j'irai en choper ailleurs. Ok, c'est bon. Allez, hop. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Il est là. J'aurais dû m'en souvenir un peu plus rapidement. Et j'ai du miel, et le miel, c'est cool. Et vous me volez pas mon miel là, oh. Hop hop. Alors hop, on va choper ça. Voilà. Non, 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 non! Non! Je suis un tocard! Punaise. Bon, bah tant pis, je vais le laisser tranquille. Hein. De toute façon, vous avez plus de ruche. Soyez pas deg. Battez-vous contre le cochon. Ça vous apprendra. Est-ce que j'en profiterai pas pour le plus sable? Non, on s'en fout, j'irai en choper ailleurs. Allez, on rentre à la maison. Sachant qu'il me faut. Il me faut quoi pour faire une ruche? C'est dans quoi? C'est dans structure la ruche, hein? Non, c'est pas dans structure, c'est dans bouffe. Bon, je sais pas, je vais voir, je crois qu'il faut que je sorte à côté du truc. Hop! Allez hop, on va se faire un truc avec du miel, ça va être sympa. Oh yeah! Et hop, tu me mets ça là-dedans et tu mets un petit peu de miel avec. Voilà. Donc, je disais. Survie, non, c'est pas en survie. Structure. Beehive, beehive. Beehive! C'est pas du tout là. Donc, c'est bien dans food. B-box. Tiens, le miel, on va le mettre là en attendant. Très bien. Il y en avait un où il y avait du. Non, mais je voulais pas faire ça! Je suis un tocard. Alors, ça. Oui, mais j'en ai que 4. Merde. Il faut vite que j'allume un feu. Ah non, c'est la pleine lune. Holy shit, c'est la pleine lune. J'espère que mes porcs ils vont pas sortir. Ah, fuck. Récupérons ça et profitons-en pour faire
Une b-box. Voilà. Alors où est-ce que je peux la mettre, la b-box? Je peux la mettre là. C'est super près, je suis débile. Je suis débile et j'ai même plus de fleurs en plus ici. Ah oui, bah oui, parce qu'en plus elles se font. Oh là là, c'est la merde. Ah là 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 là. Et hop. Bon. Ça va, les ports sont pas sortis. Donc tout va bien. Ça, on peut le restocker là. On avait besoin de... Non, on n'avait pas besoin de ça. On avait besoin de coquillages, de sable. C'est ça, le sable. Il est où le sable? Hop, on avait besoin de sable et de... trucs comme ça pour me faire... un magnifique château de sable. Voilà. Les meatballs sont prêtes. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va manger des... Et il fallait que je construise mon... château! Parce que j'avais envie d'avoir un petit peu la vie de château. Voilà, regardez ça. Qu'est-ce qu'on est bien à côté du château de sable. Faudrait que j'en ai un sur moi aussi, un autre. Je sais pas s'ils se détruisent maintenant avec la pluie ou pas. Faudrait que je vois. En tout cas, il va falloir aussi que j'aille re-récolter de la. Comment ça s'appelle? De la sable, ça s'appelle. N'importe quoi. Et il me faut des fleurs aussi. C'est-à-dire qu'il me faut des papillons. Il faudrait au moins un papillon en fait. Le point c'est que c'est plus la saison des papillons. Mais c'est ça, je suis bête en fait. Je suis allé me faire des abeilles, mais le problème c'est que les abeilles elles sortent même pas en cette saison, je crois. Il pleut trop. Il fait gris, elles aiment pas. Elles aiment pas le gris. Bon. Allez, hop. Yes! Des berries. Récoltons, récoltons. Voilà, avant qu'il y ait le vent. Avant que le vent l'emportera. Voilà. Muy bien. Ah, si, il y a quand même une abeille qui est sortie. Cool. Alors. J'ai plus de. Oui, je m'occupe de couper aussi un petit peu de bois. Tellement de choses à faire pour finir ma petite clairière là, parce que. Yes, des bananes. Allez, mange les bananes. Moi, il faut pas faire ça. Hein. Pas manger les bananes comme ça. Voilà, on va essayer de se blinder tout le tour là. Pardon. J'ai du mal à. Et puis, elle est où ma pelle? Mon royaume pour une pelle. Pourquoi? Ah, j'ai récupéré quoi là dans le... Ah, en fait, on peut... Non, 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 je veux pas les détruire. Putain, on peut les détruire maintenant, d'accord, je ne savais pas. Oh, on pouvait pas. Donc maintenant, on peut détruire les trucs, donc ça c'est cool. Non, non, non! J'ai hâte d'équiper ma pelle parce que là, ça me saoule sinon. Allez, je prends du sable un petit peu. Ok, je vais aller stocker quelques trucs en attendant si... parce que... Eh ben, je suis beaucoup trop plein. Voilà, il y a des abeilles dans la base, c'est nickel. On n'est pas bien là avec les abeilles dans la base. J'espère qu'elles sont encore qu'elles ont encore un pouvoir germinatif sympa, les graines, parce que c'était dans l'eau pendant un peu. Dans l'eau salée pendant un peu longtemps. Bon, je sais, il n'y a pas ça dans le jeu, mais il pourrait. Il pourrait. Hop. Ouais, faut que je profite de mon château de sable avant qu'il n'existe plus. Ça va être bon ça. Un petit peu de toutes les viandes du monde en même temps. Allez, profitons du château de sable parce que sinon en fait il va être détruit par le vent avant la fin et au final ma santé mentale sera pas remontée assez. Du coup il va falloir que j'en fasse un autre.
C'est probablement le cas. Bon, c'est pas mal remonté. Il va bientôt pleuvoir, donc dans le doute, je vais aller me... Avant la nuit, j'aimerais bien récolter des trucs là, des noix de coco. Non, pas des noix de coco, des... Oh, des feuilles de cocotier. En espérant que ça me tombe pas sur la gueule. Allez, plante-moi ça, voilà. Non, planter, j'ai dit. Plantez-les, 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 coconuts. Tiens. Allez, ça y est, il pleut, il grêle. Nickel. Nickel, bon. La gueule. Allons récupérer encore un petit peu de sable. Pendant qu'on le peut. Voilà. Allez. Alors on récupère un petit peu de sable. Et des cailloux. Donc là, comme ça, on aura normalement de quoi se faire un petit château de sable au passage. Pour ce... Ok, c'est encore la pleine lune, donc ça c'est cool. Par contre, là, je crois que c'est la pleine lune où il y a les... où il y a les cochons-garous. Ouais, ça, je suis pas assez mouillé encore pour avoir besoin de mettre mon imper. Donc ça, c'est plutôt cool. De l'herbe, il m'en faut. Donc j'en récupère. Et puis et voilà. Alors. Et putain, y a pas de sable ici là ou quoi? Putain, le vent, ça fait des dunes normalement. Voilà. Il me manque un coquillage en fait pour que je puisse le faire. Je vais bien en trouver un d'ici là. Hop, c'est l'heure de manger les boulettes. C'est l'heure de manger les boulettes. Oh fuck, je l'ai détruite. Ah, oh, c'est chiant ça. Ça n'existait pas avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Yes, il est là le petit. Voilà. Hop, château de sable pour plus tard. Toujours avoir un château de sable sous la main. Voilà. Parce que le sable, j'en avoir vraiment besoin de pas mal, quoi, pour faire les... Ah tiens, il y a une plume dans le sable. C'est rigolo ça. Je savais pas que c'était possible. On va en avoir besoin pour faire les sacs de sable plus tard. Non, 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 tu ne me détruis pas ça, s'il te plaît. Et là, il y a des éclairs, donc on va vite rentrer à la maison. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ok, je suis au sec. Tout va très bien. Ça va, en termes de santé mentale, ça va. En termes de plumes, j'en ai une. Alors, profiter. Hop, machette. Machete. On va faire une machette alors. J'ai plus assez d'or, tiens. Je sais pas si j'en ai de l'or. J'aurais pu me faire une machette en or, sinon ça aurait été cool. C'est là où on se dit, ah, ça va être vachement bien d'avoir le robot. Allez hop, mets-le ici, le petit trap là, voilà. Juste pas qu'il y ait de feu ici, là. Normalement, le... Je sais pas si en termes de zone, c'est suffisant. Mais bon, on verra. Hop là. Ok. Bon. C'est quoi ça? C'est rien.
Ah, tu t'es pas transformé en garou? Ah non, puisque je l'ai pas. Je suis con. C'est parce que je lui ai pas donné à bouffer de Monster Meat en fait. Du coup, il n'y a pas de raison qu'il se transforme en garou. Mais ça aurait été pas mal d'avoir un chanteur sous la main quand même. Moi, ils viennent. Allez, cuisons un petit peu. Voilà, ça va être pas mal. Un petit crabe aux airelles. Hop. Ok. Comment est-ce qu'on fait les sacs de sable déjà? C'est là. Il me faut du. Ah oui, il me faut du papier. C'est pour ça qu'il me faut des bambous. Parce qu'il faut pas mal de papier. Oh oui, des tacos au poisson. C'est bon ça. C'est bon ça. Ok. Bon. Eh ben c'est nickel. Donc, encore une petite journée de récolte. Quand même très mauvais. C'est pas encore la saison des inondations, mais bon. On est quand même pas loin. Là, il y a pas mal de trucs à choper. Ah tiens, un champignon rouge. Mais oui, t'es mignon. Moi, pas plus, ça fait beaucoup les fiches tacos. Bon, on verra bien. Colter ça. Voilà. Oh non, 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 pas de feu, les mecs, vous déconnez là. Est-ce que je peux le creuser quand c'est en feu? Non. Hein. Allez, bah, je vais ramener chez moi alors. Donne-moi une pelle. Oh. Tu t'en vas, toi. Tu t'en vas, j'ai dit. Voilà. Merde, il me faut quand même une pelle. Qu'est-ce que je peux jeter? Rien du tout. Bon. Mais on va s'arrêter là, je pense. Et on va. De la confiture. Génial. Voilà. Et on va cuisiner ça. Ça va être le moment d'allumer le feu de toute façon. Et de passer la nuit. Je pense que je vais quand même arrêter l'épisode ici. Il faut que je plante ça. Ici. Oh, pas mal. Ça ici. Ah! Je vais arrêter l'épisode ici et survivre la nuit. Est-ce que j'ai de la moisissure un peu là? Non, hein. Ça me semble pas. Je me trouve du caca. Il faut que je trouve du caca. Et pour ça, il faut que je donne à manger aux autres cochons. Et ça, je ferai ça demain. Ou plus tard. Je sais pas du tout quand est-ce que je ferai ça. En tout cas, donc, merci beaucoup d'avoir regardé, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, eh ben, réabonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Don't Starve. D'ici là, passez une excellente journée et je vous fais plein de bisous.